Voilà, attention Dundee, Dundee, on te rappelle, Rémi Dundee, on te rappelle. Rémi, tu es à l'écoute. Oui, Daniel, les 73 51 à toi. Voilà, je suis en train de monter dans la voiture. Ok, bon, ben, je vais essayer de finir d'installer. Là, je suis en direct sur le groupe des Kilomike. Voilà, je suis en train de filmer là, hein, en direct. Les 73 aux OM qui regardent. Voilà. Ok, pour l'instant, là, je l'ai mis, hein, Rémi, là. Je suis à nu, là. Ah ben une chance, hein, tu m'arrives à, attends si j'ai bien vu, 9 plus 5, 9 plus 10, un truc comme ça quoi. Ah c'est à peu près l'équivalent ce que tu me fais toi là. C'est à peu près l'équivalent de ce que tu me fais. Bon ben écoute, hein, on va faire avec hein. Alors bon là je me suis mis dans le bon sens hein. Voilà, normalement je devrais t'entendre et tu devrais m'entendre assez longtemps. Hein. Ok, d'accord. Donc, comme quoi, tu vois, entre le Lincoln 2, le 7009, bon, réception, filtrage et tout, on sait ce que ça donne, c'est du kiff-kiff bourricot. Et bien, en émission, c'est pareil, c'est du pareil au même. Ok, voilà. Bon, ben écoute, pourquoi ça se. Oui, ben c'est normal, ça monte. Voilà, ouais, là je mettrai la. J'allumerai tout à l'heure, là, quand tu seras beaucoup plus loin, là, puisque moi j'ai encore une heure à travailler, là, mais enfin, je pense que je risque de. Voilà, bon, enfin, voilà mon petit Rémi, t'es sorti là de là où tu étais, là, ou t'es toujours dedans? Attends, je vois d'un truc. Hein, c'est bon ça. Ok, non, je suis toujours là sur le parking. Voilà, je décolle. Non, ok, ouais, oui, parce que le temps de tout installer, c'est pas évident. Bah oui, donc, ok, ouais, ben, tu verras, comme je te disais, là, je fais le petit direct moi sur le groupe Kilomike. Hein. Voilà, comme ça, ben, écoute. Elle sera enregistrée, tu pourras t'écouter. Bon, enfin, de toute façon, vu la distance que nous sommes, il n'y a pas de souci. Ah, bah, tu m'étonnes, on est voisins, quoi. Je suis trois coups. Ah, ouais, voilà, alors attends, voilà que je montre un petit peu. Voilà, pour faire rêver certains. Voilà, bon, hop là, on va revenir sur l'avion. Ah, mais il y a des. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Pourtant, je suis. Ouais, je me suis mis dans la voiture là. Si tu veux, j'ai tourné la voiture pour que tu puisses m'écouter, toi, quand tu vas partir là, plus loin, après sur la rocade. Là. Ah, ben de toute façon, avec ce que t'as derrière que tu peux enclencher, c'est ça que je vais t'entendre beaucoup plus loin. Dommage que j'ai rien pris avec moi. La boîte de mirror, elle est branchée au QRA. Sur le 7009. Alors du coup j'ai plus rien dans le push, enfin si ce n'est que le Lincoln 2. Et comme je te disais en message perso, ah putain il m'en faudrait un autre. Mais je crois que là pour le coup je vais me faire taper sur la tête hein, si je lui dis ça quoi. Ok, oui, non, mais tout à fait. Ouais, mais celui-là, là, c'est celui de, qui a été acheté là, chez CRT. Hein. C'est le petit linéaire, là, il vaut 70 euros, je crois, celui-là, là, le Romeo Mike, là, Kilo Lima 203B, là, enfin, qu'on voit la vidéo, c'est de chez CRT. Hein. D'accord, donc là il développe combien là en AM? Ah ben là il n'est pas branché là. En AM, ben écoute, ouais, il sort à peu près 70 watts, 80 je crois. Ouais, je crois que c'est quelque chose comme ça. Ouais, mais bon, ça j'imagine que c'est ce qu'il y a de marqué sur le papier. Mais en réel, tu t'aperçois vite que c'est beaucoup moins, quoi. Oui, non, c'est au réel, puisque on l'avait mesuré, parce que c'est Fred qui me l'a filé, celui-là, là. C'est Fred qui me l'a donné, il est tout neuf, hein, voilà, celui-là, il n'a jamais fonctionné, il en avait acheté deux, il m'en a donné un. Ah bah ça va, quoi, il est privilégié, quoi.
Donc, ouais, il vaut aux alentours de 70 euros, je crois, 70, 75 euros, celui-là. Et voilà, donc, il en a un qu'il a chez lui, si tu veux, en fixe, ou non, dans la voiture. Et après, chez lui, là, il a remonté une antenne, là. Et donc, si tu veux, il s'en sert avec Sophie pour quand il se déplace. Voilà, donc lui, quand il s'en va, elle est à la maison avec le. Avec le. Un poste, et puis lui, après, en mobile, il a le linéaire. Ouais, d'accord. Mais tu vois, ce que je lui reproche, là, celui-ci, c'est que tu n'as pas tu n'as pas plusieurs positions. C'est direct au taquet, quoi. Et ça, c'est dommage. Ah, comment ça, qu'est-ce que tu veux dire, direct au taquet? Eh bien, je vois par exemple celui-là, le Zetaki B550P là, que j'avais dans le push qui est rendu au QRA, j'ai 6 positions dessus. Et en gros, pourquoi je dis en gros, j'ai jamais dépassé la position 4 hein, parce que bon, j'en ai jamais vu d'utilité. Quoi. Et ce qui fait que, je m'en suis jamais servi plein régime. Ok. Ah, il y a monsieur Nico. Monsieur le Riconnet, qui nous regarde. J'ai fait gros bouchou, voilà. Ça y est, il a fini sa sieste. Ah, celui-là, c'est une vraie grenouille de bénitier. Hein. Voilà, là. Dès que il y a un cierge qui traîne par là, hein, il y va, il t'envoie le bonjour. Ok, les bonnes après 51 à toi, en espérant que tu aies le même beau temps que nous ici. Et demain, il va faire encore plus chaud. Hein. Ils annoncent 27, je crois, demain. Ah ben c'est bon ça. Je suis en train de voir les motards passer, justement j'ai l'air bondé là-dessus. Et en plus de ça, demain j'ai la voiture qui est en révision, donc je prends la moto. Ah il me dit breco. Et oui vous rigolez. Et nous on est dans le QSO HU. Ah ok, oui, ben demain je suis de repos Rémi, donc je suis à la maison. Par contre je suis samedi, là, je reviens au même endroit. Hein. Voilà, je reviens ici la samedi puisque la campagne débute. Ok, d'accord. Et ouais, du coup, la semaine prochaine, c'est 3 vacations que j'ai à faire là où tu es, quoi. Au chantier, je veux dire. Oui, parce que nous, on se voit le 26 là-bas. Ben, on va passer la fréquence de dégagement kilomètre. Ça va sur notre fréquence. Ok, alors 27325 en Lima Sierra Bravo, vu qu'on s'éloigne, ça permettra de s'attraper plus longtemps. À moins que tu préfères en uniforme Sierra Bravo, dis-moi ça. Non, le Lima Sierra Bravo sera très bien. Voilà, 325, Lima Sierra Bravo, c'est parti. Ok, c'est parti. Ouais, c'est ça, Canal 32, je suis bien dessus. Oui, c'est bon pour moi aussi, voilà, 100% clientèle. Le temps de me clarifier proprement. Voilà, bon, là, pour moi, c'est bon, là, pour toi, là, je retrouvais ta voix, donc, comme tu l'avais perdu, alors, voilà, je me suis mis dessus. Ok, ouais, bon, j'ai clarifié un petit peu. De toute façon, un clarifieur, c'est fait pour ça, c'est fait pour servir. Toi, à la différence, ça c'est pour le petit clin d'œil, à la différence de certains, nous on utilise le clarifieur. Bah oui, c'est dessus, c'est autant que ça sert. Et puis moi, tant qu'il y a un bouton que je peux tripoter, ben je l'utilise aussi. Hein. Ah, je suis trop un con. Ça sera répété, déformé à ton XYL. Ah, Rico, lui, il aime pas les boutons. Il aime pas tripoter les boutons. Ah bon? Il aurait viré de bord? Ah, je sais pas, peut-être qu'il peut faire les gros boutons. Ah! Bon, Rico. Ah oui, on t'aime, mon Rico, mais on t'aime. Et maintenant qu'on arrive à se revoir. Hein. Voilà. Bon, je recharge un petit peu le téléphone, mais le problème, c'est que quand je le... qui est dans la ligne cigare, je ne peux pas le mettre sur le chargeur. Même si j'ai l'autre alimentation, la USB, j'ai l'impression qu'il ne me charge pas le téléphone, j'ai l'impression plutôt que ça me le décharge. Alors je préfère pas le brancher. Ouah, d'accord.
Bon voilà, je viens de tourner là au niveau des ronds-points. J'ai le poste à nouveau à l'ombre. Parce que là, je commençais à sortir le capot du poste là, sur le côté là qui enfin, sur le dessus, je veux dire, qui était un peu chaud. Ouais. Ah non, mais là il fait 27 degrés, là, c'est monté chaud aujourd'hui là Rémi. C'est monté très 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 chaud là, et puisque moi j'ai passé toute l'après-midi dans la voiture quasiment. il m'a commencé, je vous aime. C'est de la merde, CB Talk. Eric qui me met passer via CB Talk. Je lui ai dit CB Talk, c'est de la merde. Parce que j'ai voulu essayer de l'installer, ben ça on l'a soit sur le portable, ça marche pas. Sur le téléphone portable, ou j'ai pas su l'installer, je ne sais pas. Mais enfin bon, j'ai pas trouvé le bon compromis là pour le faire fonctionner là, cette appli. Ce truc de chat par internet, bonsoir. Pas mal de faire croire que c'est soi-disant la CB. Affirmatif, voilà, oui, mais écoute, je voulais l'installer pour voir, écouter ou faire quelques contacts, tu sais, suivant là où je suis. Et puis j'ai vu que ça fonctionnait pas, ou comme je te dis, je n'ai pas su l'installer ou j'en sais rien. Donc je l'ai viré, voilà, c'est tout. Oui, mais au moins je vous écoute. D'accord, ok Eric. Mais bon, non, moi comme je t'ai dit Eric, j'ai pas pu l'installer, donc c'est pour ça je l'ai viré ce truc là. Voilà, il faudra que je réessaye plus tard pour voir ce que ça peut donner. Il me semble avoir entendu tout à l'heure, un peu plus tôt là dans l'après-midi, la Panda 33 là. Ah ok, ben non, là où j'étais, je pouvais pas là. J'avais des yeux de braquer. Salut David. Ah, il y a David qui nous écoute aussi. Il y a... Ouais, ok. Il y a David... David Kilomarique, David Palmila, 73 à tous, voilà, et qui nous regarde aussi, Achit. Voilà, comme ça tu pourras voir, ben, de toute façon, t'as la vidéo sur le direct, voilà, Rémi, pour se réécouter. Alors je vais essayer de faire un gros plan pour voir si le signal, mais là, t'es rendu à peu près à quel niveau, là, Rémi? Ok, compris. Alors, j'arrive à la sortie 8, c'est-à-dire le Verdon, la Cano, enfin, du moins au premier panneau qui signale la sortie 8. Donc, j'ai encore un petit bout de chemin, ça Verdon un peu sur la route. Là, je suis au niveau, je suis en train de longer le chantier, voilà. Voilà, j'aperçois la sortie 8, là, droit devant moi. Tu pourras la voir aussi, là, sur la caméra là, de ta bout de bord. Voilà, car de mon côté aussi. Ok, je David. Bien le 73. J'aurai pas le temps de m'en occuper ce soir, je sais pas, on verra bien, ça sera l'improvisation totale. Ok, oui, non, mais écoute, de toute façon, déjà il y aura la mienne, tu pourras te réécouter toi aussi, Rémi. Et voilà, donc, bon, là pour l'instant, ok, d'accord, donc tu es déjà sur la rocade, direction, ok, ton cœur, hein, donc il n'y a pas d'autre problème parce que je ne voyais pas la sortie 8 en passant par sortant de chez toi, là, donc, bon, ben apparemment, ça a l'air de bien rouler, là, parce que si tu es déjà arrivé à la sortie 8, c'est que ça roule bien. Ah, ça va, bon, je viens d'avoir une idée. À mon avis, j'aurai pas la vidéo sera pas mise ce soir en ligne. Si j'y arrive, je vais récupérer ta vidéo et faire comme j'ai fait le dernier coup avec Gilles. J'ai oublié sa claire Z. C'est-à-dire couper à chaque passage de micro un coup l'un, un coup l'autre, comme j'ai fait avec lui là, dans une précédente vidéo. Ok, oui, tout à fait. Ah ben écoute, voilà, oui, tu peux faire ça, oui, tout à fait, ça sera un petit plus. Voilà, ok, ben écoute,
c'est toujours, le ciel est toujours gris roux là. 8.1, si vous le faites toujours, là, bon, ben, avec la bonne radio, bien sûr. Hein. Ah ben, ça passe toujours bien, évidemment, hein, putain, puis en plus, on est en BLU. Alors, si en BLU, ça passe pas, on a la peur. Hein. En tout cas, ouais, ouais, mais je vais faire comme ça. Là, si j'arrive à récupérer ta vidéo, c'est bon, je vais faire ce genre de montage. Là, un coup d'un côté, un coup de l'autre, à chaque changement de micro. Alors ça, par contre, c'est un boulot de dingue, puisque autant de passages de micro, autant de coupures qu'il faut faire, bien évidemment. Ah oui, tout à fait. Là, il y a un adulte qui, malheureusement, je suis bloqué. Obligé de passer QRT, enfin bon, si vous voulez faire ça après, on va prendre la vidéo, puisqu'apparemment, ils doivent regarder sur le téléphone aussi. Oui, non, mais ça, j'imagine que c'est du boulot, hein, ça, j'en ai conscience que c'est du boulot, hein. Voilà, mais le passé, malheureusement, c'est dommage, parce que, bon, la fréquence, c'est pas grave, on l'a donné, on la voit de temps en temps, donc il y a le reflet, et c'est vrai que c'est pas évident du tout, là, de... voilà, c'est pas évident du tout, bon, en fait, c'est pas grave. Le principal, c'est que l'audio soit vraiment super. Je vais te dire un truc, la fréquence des kilomètres, on la voit tellement dans les vidéos des uns des autres, ceux qui posent la question. Salut Christophe! Ils doivent chercher à regarder nos vidéos. C'est clair et précis. Et ça, je le vois sur pour mes vidéos là, que je mets sur mon groupe, par exemple. Parce qu'il y a un compteur de vues qui se met dessus. En général, il reste à zéro, voire proche de zéro. Donc, ça veut tout dire. Alors, ceux qui posent des questions, dommage pour eux, ils ont qu'à regarder un petit peu sur le forum, par exemple. Ouais, mais non, c'est bon, Eric. Enfin, pour l'instant, ça fait pas longtemps que je l'ai, mais il fonctionne pas trop mal. C'est vrai que ça rappelle une connerie, ça. Autrefois, vraiment autrefois, certains pensaient que la Terre était plate. Et que si on dépassait les limites, on risquait de tomber. Et au niveau des gens sur Facebook, eh ben, c'est exactement la même chose. Et j'ai l'impression que Facebook, c'est un grand cercle. Et qu'il ne faut surtout pas essayer d'en sortir parce qu'on pourrait tomber de là. Un chien, trois coups. Ah ouais, non mais bon, il y a Eric qui m'a demandé si mon onglet là fonctionnait bien. Bah écoute, comme je lui ai dit, là, il n'y a pas longtemps que je l'ai, là, ça va faire 15 jours, une semaine 15 jours là, que je l'ai, puisque je l'ai branché au dépôt de CRA. Et c'est le bonjour de Christophe Lefebvre. Voilà, qui t'envoie les bons chiffres. En fait, tu verras ça dans les commentaires de la vidéo. Bon, enfin voilà, c'est enregistré et ça se voit. Voilà, ça parlera aussi ça, mais j'aime pas ta vidéo. Ok, les coulées. Ok, voilà, donc c'est le bonjour de Christophe, Rémi. Ok, le bonjour à Christophe, le bonjour aux autres stations qui sont en train d'écouter le direct. Voilà, je suis sur la rocade de Bordeaux. Je suis en train d'approcher les panneaux, je vais pouvoir dire exactement là où je suis. Alors, là en tout cas il y a un super soleil ici, c'est le plein été là ici. Hein. Oui, à ce point-là. Hein. Alors j'arrive à la sortie 4A. Alors c'est sortie Stade Atlantique par disposition du bord de lac. Voilà, je suis rendu là à ce niveau-là. Ok, ok, Rémi, donc bon, là c'est moi je suis dans la première file de réception de mon côté, voilà, et puis après, mais, dès que tu auras passé le pont, là, après tu auras passé le pont, là, je mettrai la petite chaudière. Ok, bon, j'ai un petit peu, là, je suis en train de passer sur le lac, hein, voilà, sur le pont qui enjambe le lac, hein, là, pour arriver ensuite là, sur les stations totales. Voilà, donc là, de mon côté, j'ai un petit peu de QRM, hein, mais bon, je t'entends bien, hein, heureusement encore, hein, putain, moi, j'ai plus que ça, quoi. Ah, ouais, bah, ouais, non. Bon, Eric, non, moi, j'ai l'attaque à 8 watts, hein, voilà, j'ai l'attaque à 8 watts, c'est le bien. Voilà, en sécurité. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, ben moi, non, moi, je ne suis pas en sécurité. Pour l'instant, il y a aucun des deux, ça ne va pas le poste, c'est bien, ça ne s'est pas mis en sécurité, voilà, donc bon. Parce qu'apparemment, Rico a le même appli que moi, et il aurait des problèmes. D'accord, ok, Christophe, ouais, il est en
Mélène, lui aussi dans le Nord. Christophe, en QSO. Voilà, donc... dis bonjour, tu salues bien l'émission, Christophe. Tu salues le Nord pour nous, pour tout le monde. Merci, voilà. Ah, qu'est-ce que c'est, j'ai 73 ou 74 qui sont là-haut aussi. Là, je regrette de ne pas avoir la stamina avec moi, là, dans les poches. Car ça aurait permis, parce que là, pour le coup, ben, c'est toi qui vas me perdre, moi, quoi. Avant que moi, je te perde. Et ça, ça me plaît pas du tout. Ah, si. En plus, là, tout à l'heure, va falloir que je démonte tout, là, du push. Ben oui, parce que, bon, ben, demain, le push est en révision. Et là, pour le coup, je n'ai rien du tout dedans. C'est juste la boîte à gants qui a soir que j'ai vite complètement, parce que bon, t'as la prise informatique qui est dans le bout, qui est dans le fond. Voilà, donc là, il faut vraiment que je sorte tout, quoi. Ok, Rémi, bon, allez, ben écoute, voilà, ça y est, là, je viens de l'enclencher, là. Voilà, je viens d'enclencher le soutien, voilà. Alors, je te fais un petit peu pour le changement. Ludovic, Bouillon, j'ai 73, bien sûr, de la Gironde, du coup. Voilà, 14 km, 43,06, au micro, Daniel. 14 km, 43,01, Rémi, 33, j'ai une mobile, tous les deux mobiles, hein. Voilà, c'est mon mobile arrêté, hein, Ludo. Voilà, ok, Rémi, retour. Ok, j'espère de ton côté que tu as 10 000 gouttes, sinon tu vas avoir une surprise. Ah si, voilà, mais je suis dans la montée là, du pont d'Aquitaine. Bon là, je vais garder un petit peu le micro là pour le moment. Alors côté circulation, là, dans la montée, enfin sur le pont d'Aquitaine, il y a du monde. Ok, mais c'est tout QRO dans les deux sens. Là, ça roule bien. C'est on se croirait pas aux heures de pointe, loin de là. Quoique là, à cette heure-ci, les gens ont déjà, il y en a déjà pas mal qui ont débauché. Hein. On se croirait plutôt à samedi, on va dire. Ouais, ouais, voilà. Bon, là, je suis rendu carrément dessus, là, du coup. Coucou les stations, voilà, je vous fais un geste de la main. Bonsoir Nicolas. Samedi. Samedi. Au niveau circulation, là, c'est nickel. Vas-y, Daniel. Oui, ok. J'étais en train de saluer l'OM qui s'occupe de nous, là. Puisque samedi, je suis là, il pensait que j'étais là aussi demain. Je lui dis donc, je serai là que samedi. Voilà, ok. Ok, oui, 14 ODR 160. Actuellement, 1030 sur la tasse, Ludovic. Ok, Ludo, oui, ben écoute, tu savais les Alsaciens pour nous. Voilà, de quel côté là tu es, Ludovic là. Tu me mettras sans un petit commentaire là, parce que je connais un petit peu là, j'ai fait 4 fois l'Alsace, donc c'est pour ça, ça peut être intéressant pour savoir de quel secteur il est là. Ok, donc c'est un Oscar Delta Romeo là. J'ai des pertes de tension sinon, hein, bien entendu. Donc mais j'ai des accidents total. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que je me permets de pouvoir faire tourner le moteur. Hachi, bravo. Ok, bon, je suis passé un peu là dans la zone d'ombre là, au niveau là, de leur mot. Là. Là, du côté du radar, là, c'est vrai que là, pour recevoir, là, ça, c'est pas toujours évident. Mais ça a toujours été ainsi, parce que je me rappelle dans les années 90, c'était pareil aussi. Hein. Voilà. Et là, je suis en train, je pense la boîte d'accès de la rocade, là, juste droite. Hein. Les choses sont prêtes, c'est un petit moment, là, du côté de la place. Voilà, on a parlé de 14 km, 3301, 2033, à faire intervenir en mobile. Voilà, sur la rocade est de Bordeaux. Ok, quand j'étais sur le pont derrière, j'ai senti une petite pointe d'écrasement de la modulation. Donc j'imagine que là, j'aurais dit que le pont serait pas mal écrasé. Ok, Ludovic. Et tu attaques encore un peu fort dedans. Ah oui. Ah oui, c'est pas passé, j'ai pas passé. Ah oui, tout à fait, oui. Non, mais là, ça doit aller mieux, là. La radio doit être meilleure, et puis ça doit être beaucoup mieux au niveau de la radio.
Ok, oui, donc Ludovic, là, il est sur, sur Cernay, dans le 68, du côté de Mulhouse, là, pas loin de Mulhouse, voilà. Cernay, oui, j'ai dû voir le panneau, voilà, mais je connais pas trop, là. Mulhouse, je m'étais arrêté une fois, là, pour demander une route, là, pour aller au Leclerc, pour chercher à manger tout ça, là. Ils m'ont baladé, là, comme c'est pas possible, là, dans ce village, là, dans cette ville, là, voilà. Et... bon, enfin, c'est pas grave. Ok, d'accord, donc, pour Cernay, dans le 68, j'y suis passé, mais bon, je connais plus haut, hein. Je connais mieux plus haut là-haut voilà que de ce côté-là, du côté de Mulhouse et les alentours de Mulhouse. Voilà, ok. Ouais, bon, ben, ça y est, là, tu dois peut-être arriver à la 137 là. Allez, 73, allez, copains. Voilà, Daniel, kilomètre 4306. Hein. Salutations à tous. Passe bien, il n'y a pas de souci, tu es sur 27 544.9, 27 540.
234.9. 234.9. Là. C'est pas pile à 235. Oui, ok. Oui, par contre, non, mets-toi sur la fréquence pile, Christophe. Parce que moi, je suis en train de jouer du clarifieur avec tous les deux, là. Oui, mais c'est 325 hein, qu'on est point zéro, hein, Christophe. oui, on est sur le 325.0. Enfin, moi, je sais que Rémi, je l'entends bien, là. J'étais bien calé sur lui, puisque depuis ce matin, j'ai fait de la radio. Donc, je sais que le poste était bien calé. Donc, peut-être que... il y a comment dire il faudrait que tu redescendes, que tu te mettes, joue avec le clarifieur, Christophe, peut-être que tu l'auras mieux. Moi, je suis bien. Ok, Dominique. Et 73 à toi aussi. Je suis trop cool. Et d'ailleurs, il y a encore une demi-heure avant d'aller décharger ma procureur aussi. Ok. Je suis sûr que tu reprends. Ouais, c'est bon. Oui, Daniel, j'ai essayé au clarifieur. Ça ne marche pas. J'étais obligé de me décaler sur avec le zéro. Je suis obligé de me mettre à point neuf pour avoir Dundee, pour avoir Rémi beaucoup plus propre. Parce que si je me mets sur 325, point zéro, il a une voix dans les aigus. Donc voilà, et connaissant la voix de Dundee, c'est quand même beaucoup mieux de savoir le vrai original. Ouais, mais moi, je ne me suis pas fait castrer, donc j'ai encore une voix grave. Hein. Ça va très bien. Et je m'en fous, c'est dans la boîte. Tu t'écouteras, Rémi, tu verras. Je vous remercie tous les deux, je vous entends pas. Ça marche, ouais, il vient de sortir en QSY, là, du tout. Il a un canal qui vient s'éclairer là à côté de lui, du coup, il est sorti là pour le moment. Là. Et pour ma part, là, je suis dans la distance de la poste. Donc, je suis à tout problème de la sortie 3, donc il Ok Rémi, bon ben écoute, il n'y a pas de problème là pour la poste, oui, donc effectivement ça. Ouais, je vois là où tu es. Hein. Il y a notre ami Eric là, le ricounet du Moon qui s'égosille derrière son clavier. qui nous break. Ah chi. Oui, ok, d'accord, oui, je vois que bon ben ça roule bien là, apparemment, la 137, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde pour que tu sois déjà arrivé là-bas. Enfin, donc, ok pour Christophe, hein, oui, donc là, je... Ben, tu t'écouteras tout à l'heure, Rémi, là, plus tard, tu verras que tu as une voix de fillette, là. Là, je dirais, sortir, là, j'ai un paquet de cuir, hein, là. Attends, là, il faut que je laisse passer, là, le cours, là, de la France, là, parce que là, c'est en l'air. Et puis, bon, ok, ouais, ben là, tu vois, bon ben, même malgré le préampli de réception, bon ben, au niveau audio là, ça commence à faiblir un petit peu. Ben, toi, j'espère que tu me reçois toujours bien. C'est là que je vais dans la zone chez un transporteur, chez Mick, j'y suis d'ici dans 30 minutes. Ok, Ludo, voilà, ben écoute, il n'y a pas de problème. Voilà, ok, donc, ouais, ben là, tu vois, même comme je te disais, Rémi, avec le préampli, là, ça commence à être limite, même. Ouais, ben, c'est ça, voilà, non, c'est bon. Ah oui, c'est le trou. C'est-à-dire sortie salle bœuf, caméra, cas supplice, B5. Voilà, je te laisse à l'envers, là, en plus, au niveau de la lecture du panneau. Voilà, je suis à nouveau, je suis là, en plus, sur la butte, pour redescendre à nouveau, là, dans le trou suivant.
Oui, ok. Ah, il y a eu un break, il me semble. J'ai entendu quelqu'un se signaler derrière. Oui, ok, Rémi, là, je vois donc où c'est que tu es, là, il n'y a pas de souci. Ok, ok, oui, bah là, ça va remonter un petit peu, là, c'est bon, là, c'est, ça va remonter, là, c'est, ça devrait être un peu mieux, là. On va laisser un petit blanc, là, pour voir qui c'est qui est derrière. Les 73, 14 km, 3306, Daniel Mobile, avec 14 km, 3301, Rémi Dundee, et Centaure, tous les deux en mobile, et il y a Christophe 3307, 14 km 3307 derrière, qui est en RX. Voilà, la station en avant. Ok Rémi, ok, ben non, je parlais pas pour l'instant, donc tu risquais pas de m'entendre, je parlais pas, j'étais en train de filmer, j'étais effectivement à la station derrière là, nous sommes en Lima Sierra Bravo, LSB, voilà, en Lima Sierra Bravo, si tu veux nous écouter là, on est sur le mode Lima Sierra Bravo, hein. Voilà, donc je sais pas où il est l'OM là, mais c'est vrai que ça arrive complètement saccadé aussi là, sur de mon côté là, hein, sur mon QTH, hein. La station là qui vient d'arriver, là qui a repris le micro en avant.
Vache, j'ai du mal à te clarifier. Je pense que ça, j'imagine que ça doit être toi, Gilles, je sais pas trop. Je sais pas trop, j'arrive pas à te clarifier. La station qui nous a briqué en uniforme, en Lima Sierra Bravo, je suis redescendu en AM. Tu es derrière ? Il est où ? Oui, la station qui a briqué, est-ce que tu es derrière ? Ouais, la station qui nous a breaké là en avant, est-ce que tu es là? Ouais, c'est toujours moi, je t'entends encore Daniel sur la rocade de Libourne. Ouais, bah oui, j'essaie d'aller à la pêche, je suis passé en AM, en NSB ça va pas. Je suis passé en AM pour voir, j'ai lancé quelques appels, ça va pas non plus, je n'entends pas. Là, j'essaie en uniforme Sierra Bravo, je sais pas. Attention, est-ce que c'est toi Gilles qui nous a lancé appel? Vu le signal, je pense que oui. Bon, ben c'est pas grave. Ah ben, il y a du monde là aussi. On n'est pas tout seul, hein. On n'est pas tout seul.